Je peux parler maintenant, les joueurs qui entraînent aujourd'hui, sur les matchs aujourd'hui, ils sont tous dans le groupe parce que tout le monde entraîne bien, tout le monde est en condition. Pour dimanche, demain, on va décider. Mais normalement, si tout se passe bien, et tous les autres joueurs. Non, c'est-à-dire que Louis est joueur de AS Monaco, c'est ça. Et nous, besoin de tout le monde. C'est toujours une option. Beaucoup de fois, c'est une option pour jouer, une option pour rester remplaçant, autres fois, c'est une option pour rester dehors. C'est le foot. Moi, mon opinion, la UEFA et la FIFA ont besoin de prendre des décisions sur ça. Je crois que le mois de juillet, c'est suffit pour le mercato. Parce que 2 mois, un championnat, normalement, une saison, c'est 10 mois. Si nous prenons 2 mois, plus janvier, plus les derniers mois, 4 mois seulement pour changement de joueurs et transfert, c'est difficile de travailler bien avec la qualité. Parce que pour travailler bien, tu as besoin d'être concentré, tu as besoin de disponibilité mentale, physique, toutes les choses. Normalement, un gros match, parce que de l'autre côté, en équipe, avec un projet champion, un projet très solide, il a pris beaucoup de joueurs avec l'expérience cette année. Je crois que Marcel a passé un cap de l'année dernière pour cette année. Et c'est une équipe qui va jouer aussi les premières 3 places du championnat. Moi, j'ai accepté ce projet de Monaco. N'est pas ça cette année, déjà 3 années, ça c'est la 4e saison. Je comprends le projet, je comprends la mentalité, la méthodologie de travail. Après ça, le moment que j'essaie de rester, je vais aider avec mon capacité de m'adapter, de faire progresser les jeunes joueurs, de ne pas pleurer les joueurs absents. C'est ça mon mentalité. Pour ça, je vais continuer à travailler avec beaucoup de travail. Beaucoup d'honneur.